sur des spéléhsen, dans routine, vous faites une performance particulière puisque vous parvenez à être chorégraphe, interprète et cuisinière. Oui. C'est un jeu, au fond. En fait, c'est parti d'un jeu. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que on était en confinement, donc Sendashbeli et moi-même, chez moi. Nous rentrions toutes les deux de voyage. Donc on était un peu obligés d'être ensemble. Il s'est avéré que la cuisine a occupé la majorité de mon temps, parce qu'on était quand même quatre personnes, et je cuisinais de façon routinière, on va dire, tous les jours, pour tout le monde. Alors, comment le projet est né ? Senda m'en avait parlé, elle m'a dit, voilà, il y a culture solidaire de KLF, est-ce que ça te dirait, etc. Et bizarrement, j'étais très gênée pendant tout le confinement par cette profusion de vidéos faites sur le net de la part d'artistes dans le monde entier, et principalement les danseurs et les danseuses, de devoir démontrer que même dans le confinement, la pratique de la danse continue à exister. Ce qui pour moi était complètement... Pour moi, franchement, c'était aberrant, je ne le ressentais pas. Je n'avais pas de pratique. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas parce qu'on est des artistes que nous sommes dans l'obligation aussi de produire. C'est comme si le monde entier attendait un réconfort de la part des musiciens, des danseurs, des photographes, etc. parce qu'eux pouvaient continuer à créer. Et comme si la créativité était comme un espèce de fluide qui peut passer. Non, la créativité, c'est aussi du travail, c'est aussi de rencontrer les gens, c'est aussi de sortir, c'est aussi voilà. Après, bien sûr, il y a des artistes qui ont créé pendant cette période-là, mais je reste attachée quand même à la création je dirais pas dans les lieux de création, parce qu'on crée aussi dehors et tout ça, mais en tous les cas, avec une routine de création. Voilà. Pour moi, ça c'est une matière, elle doit être travaillée. Et on n'appuie pas sur un bouton pour dire à un artiste, bah, s'il te plaît, fais quelque chose. Après tout, toi, tu es capable de faire quelque chose, même sous l'oreiller. Enfin, je veux dire, ça m'a un peu gênée, voilà. On continue à en parler comme ça quotidiennement, sans au départ avoir cette idée de produire quelque chose. Et finalement, l'idée de travailler sur la gestuelle de la cuisine, enfin la gestuelle d'une recette. D'abord parce que c'est intrinsèque à n'importe qui. Ça fait partie d'un patrimoine, je vais dire, universel. Battre un œuf ou pétrir du pain ou... écosser, éplucher, trier, enfin voilà, ce sont des actions que tout le monde fait. Alors, leur donner une charge chorégraphique, donner une charge chorégraphique à la gestuelle, était pour moi quelque chose à laquelle j'ai toujours pensé, parce que je suis toujours très attirée par la gestuelle des artisans, par exemple, du savoir-faire, la gestuelle du savoir-faire. Il y a une routine, mais il y a aussi il y a une répétition, il y a une précision, il y a une technicité, et j'ai toujours trouvé ça très proche de la danse, finalement. Et en même temps, ce que vous avez essayé de retrouver quand même à travers la chorégraphie,
c'est certains affects, le souvenir, oui. certains sentiments et puis les saveurs. Oui. Ben, les saveurs, les couleurs, la matière, comment les mains réagissent à cette matière, les sons aussi. Pareil, je reviens à battre un œuf ou le casser ou pétrir. Ou il y a une sonorité. Voilà, tout cet univers, c'est ce qu'on a voulu, en tous les cas, à travers ces vidéos, transmettre. C'est-à-dire qu'on a fait très attention avec Saïf et Senda à ce que chaque élément de la recette soit présent, ou en tous les cas, qu'il soit transposé. Artistiquement dans la vidéo. Donc il y avait la couleur, il y avait on a beaucoup travaillé sur la couleur. Il y avait une unité de couleur qui était imposée par l'élément primordial de la recette. Il y a eu aussi un énorme travail sur le son, puisque je n'ai finalement pas, enfin, le résultat que vous voyez n'est pas le résultat de la captation vidéo, puisque moi, je n'ai pas dansé sur ces musiques. J'avais une autre musique, et c'est Saïf qui a travaillé le montage et le choix musical selon des univers qui lui étaient proches, et je l'ai laissé assez... on était tous assez ouverts sur ce choix-là, parce que je trouve que c'est un peu comme dans les recettes, c'est-à-dire que on se les passe des fois de mère en fille ou de père en fille ou de père en fils, etc. Et finalement, on y amène sa propre touche. On va enlever un ingrédient, on va en mettre un autre. Et pour moi, c'était un peu la même chose avec cette histoire de musique, c'est-à-dire que chacun de nous allait faire sa propre recette dans cette vidéo, allait amener une recette commune de ce travail. Et puis, il y avait cette matrice qui est l'urgence et des moyens du bord. C'est un peu comme une femme au foyer qui se fait surprendre par des invités. Absolument. D'ailleurs, on s'est fait surprendre beaucoup par les lieux que nous avons choisis. Ça a été un travail qui a pris du temps, parce que selon la recette, selon ce qu'on avait envie de dire, selon la couleur qui était présente, Senda et moi avons choisi des lieux dans ma maison. Il se trouve que ma maison a plein de lieux comme ça, très, très différents. Donc, elle était prédisposée peut-être à accueillir ce genre de travail. Mais c'est vrai qu'on a mis en scène ces vidéos. Ça, on n'a pas voulu faire ça dans une cuisine. En tous les cas, on a voulu réadapter la recette dans un lieu. Et c'est comme si on réadaptait aussi la gestuelle à un univers, mais c'est aussi comme si on réadaptait une pièce chorégraphique à un lieu où elle va être dansée. Donc c'était une espèce d'alchimie entre tout ça qui était très, très intéressante et, très, et qui nous a beaucoup amusés en même temps. De se dire, ah ben non, ça, je le verrai mieux dans le Marzen, ou ça, je le verrai mieux dans cette chambre-là, ou ça, plutôt dans un couloir, etc. Et puis, il y a des séquences surprenantes, comme dans la salle de bain, ou bien dans la salle au placard vide. Oui, mais en fait, c'est une... je crois que l'unité de couleur a beaucoup fait sur le choix, parce que les couleurs existent exactement, ce sont exactement les couleurs qui existent chez moi, et donc ça a été une manière de superposer toutes ces strates, qui sont peut-être les strates de la créativité finalement, parce qu'on trouve un élément, puis ça synchronise avec autre chose dans notre tête, où on pense à une image, à une odeur. Et c'est un peu comme ça aussi quand on cuisine.
on dose, on ajoute, on enlève, on a envie que ce soit, on a envie de couleur dans un plat. Ou, donc voilà, ça, pour moi, ça, oui, je reste très proche de ce que la cuisine peut donner comme sensation. Et pour sortir un peu de la cuisine, pour vous, le confinement, ça a dû être un triple manque. Le manque de la danse, le manque des tournages et du cinéma, et aussi le manque de l'enseignement de la danse. Alors, contrairement à ce qu'on pense, pour moi, ça n'était pas un manque du tout. En fait, je trouve que... je parle du premier, hein, parce que c'est très différent avec le second. Le premier confinement, c'était pour moi un temps de pause. Et dans nos métiers, on a beaucoup de temps de pause. C'est-à-dire qu'on peut être amené à être très productif pendant un moment, on travaille beaucoup, on voit plus nos enfants, on est happé un petit peu et même dans nos têtes, on n'est plus tellement dans la vie, on est dans le projet, on est dans la vie autrement. On est intensément avec d'autres gens. Je pense beaucoup au cinéma là-dessus aussi, mais même quand on prépare la première d'un spectacle, c'est-à-dire on est dans une espèce de bulle qui est elle-même chargée, mais c'est une bulle et c'est comme un isolement quelque part. Et quand on arrête de travailler, quand les projets se calment, on est dans cet isolement et dans ce confinement. On a envie de voir personne, de se reposer, on fait la cuisine, on occupe différemment l'espace qui est l'espace de chez soi. Ou alors on sort beaucoup et on revoit nos amis, etc. Mais en tous les cas, voilà, c'est un temps de pause. Et pour moi, ça n'était pas... Je n'ai pas ressenti une frustration ou un manque. C'est le deuxième confinement. Mais là, j'en veux plus à cette société qui a décidé que la culture n'était pas nécessaire. Et là, j'en ai la conviction, finalement, que nous vivons dans un monde et que le monde vit dans un autre monde. Je veux dire que là, c'est vraiment violent. Je le ressens de manière très, très violente. Et pour conclure, des projets dans l'immédiat ? Non. Dans une perspective proche ? J'espère. J'espère. En tous les cas, oui, mais je pense qu'on a aussi la capacité de rebondir. Donc, je ne suis pas inquiète. Je suis en colère. C'est différent. C'est une belle colère, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Sandus. C'est moi qui vous remercie.